Voilà, c'est Imagine nos, nos mamans. Vous savez, j'ai un souvenir avec ma mère, la Rahma. Nous étions en Kabylie, Jazaïr, elle et moi. Elle était en train de battre du lait, comme ça qu'elle a mis dans une calebasse. Arseït, on appelle ça chez nous. Elle battait son lait dans l'espoir de sortir une belle petite motte de beurre et du petit lait pour les enfants. Je devais avoir 4, 5 ans, pas plus. Vous savez, à 4, 5 ans, on ne comprend pas grand-chose. Donc je la voyais chanter beaucoup, rire, pleurer, parler énormément. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Et bien sûr, lorsque j'ai grandi, et lorsque j'ai emmagasiné dans ma mémoire ces sons, ces images, ces humeurs, ces vibrations, je me suis rendu compte alors qu'elle ne faisait que se confier à son instrument en faisant ce geste. Certainement parce qu'à l'époque, elle n'avait pas d'autre interlocuteur. Et donc je voyais une femme seule qui racontait sa vie, et je voyais se dérouler dans ma tête l'image, la vie d'une femme qui se trouvait être ma maman. C'est là où j'ai compris une chose qui est assez importante, qui a changé ma vie. Vous savez, dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, ancienne, traditionnelle ou pas, c'est pas évident d'être une femme, qu'on le veuille ou non. J'en veux pour preuve toutes ces femmes qui sont obligées de subir la loi du mal, la loi du milieu, et pour qui il est très très difficile de recouvrer une liberté d'action, de mouvement, etc. Et ça l'était encore moins à l'époque, dans des sociétés à forte tradition comme la mienne. Et donc j'en voulais comme preuve, pour ce que je vous ai dit, l'image de cette femme qui se trouvait être ma maman. J'ai aussi compris que cette femme, nous ne l'avons pas assez magnifiée. Elle nous a donné la vie, et d'une, elle nous a protégés, et de deux, elle est toujours inquiète quand ça ne va pas. Mais elle, qui se préoccupe d'elle, qui y pense, ce n'est pas évident. Et donc c'est à ce titre que, une journée comme celle d'aujourd'hui, j'aimerais qu'avec votre permission, on puisse penser à elle, maman, sœur, femme ou autre, de façon à ce que de cette réflexion que l'on fait et qui sort de nous, on puisse se dire, tiens, on a participé à une action qui est belle en pensant à toutes ces mamans que l'on a laissées quelque part, qu'on a laissées, pas abandonnées, mais disons, chacun va suivre le cours de sa vie. Et ces mamans à laquelle on pense, si elles sont encore de ce monde, tant mieux, magnifions-les encore et encore, célébrons-les, parce que vis-à-vis d'une femme, je pense que nous avons toujours quelque chose à nous pardonner ou à nous reprocher à tout le moins. Faut pas dire non. Si elles ne sont pas, elles ne sont plus de ce monde, ben, comme dit le poète, réjouissons-nous de les avoir quand même connues, parce que nous avons ensemble passé des moments agréables, même si elles ne sont plus là. Et à côté de cette femme qui est la nôtre, j'aimerais qu'on pense tous, absolument tous, à toutes ces femmes qui sont restées de l'autre côté, qu'elles soient au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs, parce que ces femmes-là n'ont pas toujours l'occasion de vivre des moments comme ceux d'aujourd'hui que nous vivons ensemble. Et j'aimerais que, en pensant à elles, il se détache de nous quelque chose d'extraordinaire en moment, en émotion, en tendresse, en amour, si bien que ce soir, il n'y a pas d'Algériens, de Tunisiens ou de Marocains. Il y a simplement quelques centaines de cœurs qui sont là, assis les uns à côté des autres, prêts à donner tout ce qu'ils ont de magnifique en eux, de façon à ce que la pensée arrive là où on veut qu'elle arrive. Et il sera écrit, à mon sens, dans le ciel de Dieu, qu'un soir, dans une ville qui s'appelle Oujda, des centaines de gens étaient là, à penser à ces femmes, et que
sur le ciel est écrit en lettres d'étoiles que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Et que juste après, on se retourne, on voit de l'autre côté des étoiles quelque chose qui se fabrique, qui se cisèle, qui commence à prendre forme, qui commence à être de plus en plus beau, et qu'en l'apercevant avec beaucoup d'attention, on voit un superbe diamant bien ciselé, bien beau, magnifique. Et je crois que c'est ce diamant que l'on appelle la femme. سيدي حزني في السن ذي كما يسعغ ضلبانا ولما نزيت والسن الحفيز وزني تشنا نزدغر من الناس اندو تخسيتي وطغرا الهما إيغين ذي اندو يفرو هذي اندو يفرو سلفظ لي كبابين Oh,
Voilà, merci beaucoup. Et surtout, merci pour elle. Arrêtons.